Et bonsoir à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'In the Boîte. 8 mois après, non mais non, 1 an et demi après. C'est quand même un moment important de toute notre histoire. Deux équipes sont présentes aujourd'hui. Nous avons d'abord l'équipe violette avec Hugo. Bonjour, je suis un boulet dans l'âme. Oui, dans tous les jeux d'ailleurs, tu es un boulet. Oui. Faut le reconnaître honnêtement. Nous avons aussi Lulu Dream. Bonsoir. Toujours avec une tête de vache, hein, c'est quand même assez surprenant. Et oui, ça a pas changé. Nous avons dans l'équipe verte. Lèche tes oreilles. Qui n'a rien à dire. Bisous. Non, pas de bisous. Non, va dans ta chambre. File dans ta chambre. Et enfin, Docteur Who. Hello. Qui va peut-être enfin gagner un jeu. La petite revanche de Docteur, attention. Voilà, on va y aller tout de suite avec le premier jeu. Nos deux équipes sont en place pour le mini-jeu du On pète le public. Ah, c'est intéressant ça. Et on a installé tout un petit public très très rigolo, mais finalement tout ça, ils sont là juste pour se faire tirer sur la gueule, hein, tout simplement. Je vais donc vous donner à chacun un arc et des flèches. Le but c'est qu'il va falloir tirer sur les armes en stand de votre couleur. Ok. Et si on tire sur les autres, ça leur donne des points, ce serait dommage. Ouais, donc s'il te plaît. Moi, il sert à quoi? Ça enlève des points les noirs ou ça donne rien? Non, le noir ça ne change rien, mais il faut mieux éviter de les casser. Et celui qui a le même skin là, qui est là-bas, j'ai mis que toi là. Au oui, alors il y en a un, ah, y en a un qui est en tenue Père Noël, on s'en fout, voilà, c'est juste de la déco d'ailleurs. Ouais. Petit système technique très élaboré. Voilà, il va voler. Il va voler pour tout le monde. Waouh, d'accord. Donc attention les gars, ça va durer 1 minute 30. À la fin de la 1 minute 30. Chaque arme en stun cassée, c'est 100 points. Ok. Ok. Oui. 3, 2, 1, top. Merde. De votre couleur, évidemment. Hein, je le rappelle une nouvelle fois au cas où. Ah, moi je suis arrêté ou quoi? Ok, vous seriez suffisamment. Quoi. Merde. Oui, ben la chance que j'ai, je viens de gagner. Ouais, bah voilà. Mais comment ça se fait que tu bouges plus, toi? Ah c'est bon, j'avance, c'est bon, j'avance. Non mais y a Hugo qui avait été bloqué aussi. Ah mais ça c'est la raille mieux qui buguait, je sais pas. Donc le temps est très large, normalement ça devrait le faire. Hein. Et pourquoi ça marche pas? Ah ça se lance. Allez. Il y en a 20 pour chaque équipe. Oui. Alors je tiens à dire, Hugo, j'ai tiré que sur des verses en face. Oh depuis tout à l'heure. Il en reste deux. Et pour une fois, c'est pas moi le boulet. Ouais. Oui. Bon, c'est bon pour les faire. Allez chercher toutes les armures du coup. Oui, c'est bon pour nous. Allez chercher toutes les armures et faut tout ramener. Faut tout ramener sur les entonnoirs. Hein. Dans les entonnoirs qui sont là. L'inventaire est rempli. Hein. Attends, j'ai failli poser ça dans mes. Ramène que ce qui est notre couleur ou pas? Oui. Ouais. Ah. Attends. Et si on en a de l'équipe à terre? Vous les gardez, vous vous démerdez. Ok. 6, 5, 4, 3, 1. Et on pose plus rien. Attendez. On pose plus rien. Ok. Ok, bah de toute façon c'est rempli. Retournez chez vous. Aïe. On rentre le canon. C'est de ta faute. Surtout on aurait coté plus. Merde, j'ai cassé un petit truc. Bon, alors comme j'ai vu que c'était finalement trop facile, on va changer très très légèrement le principe. C'est chaque morceau récupéré, ça vous fera 25 points. Voilà, j'ai mon équipe. Alors, on va regarder. D'abord, les violets. 5 bouts d'armes. Alors, ça fait 13. T'as joué à mon jeu. 18, 23 et 23 morceaux d'armure ramenés, ça fait 23 x 25. Ça fait
Personne n'a autant de talent en calcul. Ça fait 575 points. Ouais. 500. Alors ne buzzez pas tout de suite, c'est bio. Ensuite. Arrête de buzzer toi. Là. Les verts 5, 10, 15, 20, 25. Ok. 28. On a le droit de prendre ta blague. Et 28. Ça fait. Ah 28. Non, c'est bon. C'est un tout petit peu plus. On a fait un peu plus que le violet. Ça fait au final fait 700 points. Oh, donc ça fait bien violet. Ce qui fait que vous prenez une petite avance, mais rien n'est joué. On va tout de suite passer. En gros, attends, j'ai une vanne à faire. Quiz par équipe. On est de retour dans In the Boîte. La deuxième partie, c'est le quiz par équipe. Vous allez avoir besoin du buzzer. Ah. Oh. Pouf, voilà, c'est... j'ai la réponse. On a besoin de... On va tester les buzzers, buzzer vert. Évidemment, quand je dis vert, ne faites pas le violet. Voilà, et violet. Voilà, comme ça. Ah ouais, violet, c'est le son grave, vert, c'est le son aigu. On s'en souviendra. Donc le son qui te pète les oreilles. Okay. Exactement. Pète les oreilles, lèche tes oreilles, évidemment. Bah, je voulais pas faire des blagues, mais bon. Vous allez d'abord avoir 3 questions. Chaque fois, si vous avez la bonne réponse, c'est 200 points. On arrête de buzzer quand je parle. Bon. Sinon, c'est beaucoup de 200 points. Sinon, je vais te foutre des coups. Et après ces 3 questions, il y a la question à la louche. Comme en vrai. Ah, comme à la télé. Voilà, la c'est, télé. C'est une question je regrette mon coéquipier. Où la réponse est un nombre. Il faudra faire le meilleur nombre. Le plus proche en tout cas, pour gagner 200 points aussi. Ça fait que rien n'est joué. Pourquoi t'as une carpette dans la main, toi? Ne cassez pas le décor. Hein, Hugo. Première question. Attendez bien que j'ai donné les 3 propositions avant de buzzer, sinon je ne vous compte pas. Quel animal court le plus vite? Est-ce que c'est le lièvre, l'autruche ou le guépard? Les violets ont buzzé, ils me disent... Le guépard. C'est juste. 200 points. Oh. Bon, t'as bien fait de dire la réponse parce que moi j'allais dire la première. Allez, t'es pas digne d'aller dans les violets, tu vois. Les violets, pour l'instant, vrai. Vous avez buzzé un peu plus tard, les verts. Va falloir vous réagir plus vite. Ouais, ouais. La sieste, c'est après. Deuxième question. Quel est le plus gros poisson du monde? Est-ce que c'est le requin baleine, le poisson chat du Mekong ou le requin taureau? Les violets en tête, encore une fois. Vas-y. Ok. Le requin baleine. C'est votre réponse à tous les deux, validé? Bon, mais je vais le suivre. Parce que, Il a effectivement de la chance. Bonne réponse. Ah. C'est que j'allais dire le poisson chat. Aussi, tu vois. Bon, voilà. C'est bon en question. Une nouvelle fois, les verts, vous avez un très léger train de retard. Finalement, je suis pas tant emboulé que ça en fait. Vous pouvez toujours vous rattraper. Troisième question. Question simple. De quel pays vient la pizza? Après les 3 réponses, on a dit. Exactement. Est-ce que c'est l'Espagne, l'Italie ou le Portugal? Les violets, vous avez buzzé un tout petit peu avant. Italie. Les verts. Ah bon? Ok. Italie. Bah non, on a dit l'Espagne. C'est l'Italie, hein, j'ai dit. Ah non, c'est l'Espagne. Vous validez tous les deux? L'Italie. Vous validez tous les deux? Enfin, parce que là, Italie, on l'entend pas, mais on suppose que c'est on pensait... pense à lui. C'est la bonne réponse. Bah non, c'était le Portugal. Le score est serré. La petite question à la louche maintenant. Ah, ok. Si vous donnez le nombre exact, vous gagnez immédiatement 500 points. Et sinon, c'est le plus proche qui gagne 200. Réfléchis sur la table. Pas besoin de buzzer. Je demanderai la réponse d'abord au violet, puis au vert. Voici la question. Quelle est la circonférence de la Terre en kilomètres? Je vous laisse 10 secondes pour réfléchir entre vous.
Hugo. Je t'ai oreilles, t'es là. Ok, je le dis, comme ça, si on fait genre que c'est moi qui... Ouais, dis-moi, je chuchote, moi... Les violets, quelle est votre réponse? 12 000. Kilomètres carrés. Ouais, kilomètres carrés. C'est juste au kilomètre, hein, pas de carré, vous inquiétez pas. 12 000. Voilà, merci. Réponse de violet, 12 000. Les verts, votre réponse? 60 000. Et c'est bien ce que je me disais, t'allais trop petit, toi. 60 000, je pense. Okay. Je pensais plus. Il n'y a, ouais, pas, il n'y a pas de tout pile. Ah. Mince. Moi aussi. Et les plus proches? Ah, je pense que c'est les verts. Ce sont les verts. Voilà. La réponse, était 40 075. Putain, on était loin. Ah non, on était pas loin. Non. 40 000, on avait dit 60. Ouais, donc du coup, 20 000 de différence on ici était et 28 000 de différence ici. Donc c'est tout à fait n'importe quoi. Ouais, ouais. C'est... Les Verts c'est... finissent cette deuxième manche avec une légère avance. Mais encore une fois, c'est pas fini. Rien n'est joué. Et c'est pas fini. Ça va être maintenant le mini-jeu de bataille. C'est pas fini. On est de retour dans In The Boat. Et on va jouer maintenant au mini-jeu des pistons. Je vous invite à rentrer dans vos zones de jeu. Je pense que vous avez vite compris le jeu. Alors avant de on faire va ça, se faire écrabouiller. Avant de faire ça juste, prenez chacun une Golden Apple. C'est votre seul joker dans le jeu. Bon, tu le prends. Parce que je te sors. Je prends les deux. Ah mais il y en a deux. Il y en a deux. Ah ok, mais... Prenez-en une chacun. Encore une fois, c'est un jeu d'une minute trente. Il va falloir écraser votre adversaire, de vos adversaires même, afin qu'ils perdent le plus de vie possible grâce au piston. À la fin du jeu, chaque demi-cœur restant, ce sera 100 points en plus. Décidément. Ça fait que vous pouvez gagner 2000 points rien que là. Non, 2400 parce que si on bouffe la Golden. Oui, en plus, avec le Golden Apple, donc 2400 en plus. Allez. Mettez-vous chacun dans un coin, s'il vous plaît. Sinon, c'est okay. trop facile. Sinon, si vous focussez dès le départ, ce serait trop facile. Attention. Top, c'est parti. Faut appuyer sur le bouton, les gars. Ah, putain. Alors, les verts, les deux, n'hésitez pas à viser en haut et en bas. À répartir vos coups. Prends le haut, je prends le bas. Reste une minute. Pour le moment, vous avez pas perdu énormément de vie. Quasiment un quart de votre vie, chacun. N'oubliez pas que vous avez chacun une Golden Apple. Que la zone de jeu est très grande, donc ne vous réunissez pas trop. Allez, vous en sortez tous bien normalement, donc ça devrait aller. Ah oh, putain, non, moi j'y vais quand les pistons quoi. Et là, il est mal. T'inquiète, il bouffe une pomme d'or, il est bon. T'as déjà bouffé une pomme d'or, il est bon. J'ai bugué moi. Oui, j'ai l'impression, effectivement. Pauvre lèche qui se retrouve avec quelqu'un qui est là. Et stop. C'est... Allez. Ah, stop. Bon, bah du coup tu perds des points, Hugo, parce que tu fais pas le temps. C'est pas bien. On a dit stop. On a dit stop. J'ai bugué, moi. Tu perdras des points. Donc ouais, Docteur Wu a effectivement bugué. Donc du coup pendant un petit moment. Ouais, c'était pas de ma faute là. Je passe avec la reste avec les pistons qui arrêtent pas de bouger dans tous les sens. Ouais, mais en fait tu t'es quasiment rien pris finalement. Donc du coup. Les verts, vous gagnez. Méchant. Lèche était à 4 avant que vous fassiez vos idiots. Docteur Wu était à 6, vous gagnez 1000 points. Ah, c'est bien ça. Ah, mais c'est pas bien. Moi je pourrais être en 0 s'il vous plaît parce que je suis toujours en 0. Oui, bon. C'est... Ce serait peut-être pas mal. On a perdu l'équipe adverse. Lèche s'est kické lui-même. Non, on est là. Les violets. Lulu était à 9, Hugo était à 12, mais comme Hugo a continué et en plus profité de l'immobilisme de Doctor Who,
Il perd un point. Ah bah bravo. Il perd deux points même. Ça fait 9 et 10, ça fait 1900. 19. Bah ça va. On s'en sort mieux que... Ce qui fait une grosse avance avant la dernière manche, qui peut tout changer. Je te félicite. C'est une manche t'as bien fait. Qui n'est pas du tout la même que dans la vraie émission. Ça va être les enchères. Allez, on est de retour. Pour la dernière manche, c'est les enchères. J'arrive plus à parler, ça. Les enchères. Alors, je vous explique comment ça va se passer. Je vais vous proposer 5 thèmes. À chaque thème, je vais vous demander combien de choses vous seriez capable de citer sur ce thème. Okay. Donc ça va jouer en enchères. Celui qui est capable d'en faire le plus jouera. S'il arrive à faire ce nombre-là, il gagne le nombre de points qui va avec. Sinon, les points vont à l'équipe adverse. On va faire un exemple immédiatement, vous comprendrez mieux. Enfin, même pas un exemple, c'est le premier. Ah, ok. D'accord. Donc, premier thème, c'est une expression, une expression, un truc simple, quoi, qui commence par coup 2. Quoi ? Ou 2 ? Coup 2. Coup 2. Coup de quelque chose. Combien vous seriez capable de m'en citer ? Moi j'en ai 2. L'enchère commence à 1. D'accord, on va avoir. Vas-y, buzz, t'enchéris pour 2. Les verts. Vous montez à 3 ou vous laissez la main à 2 pour eux. J'en ai 3. Le problème c'est que j'utilise pas du tout mon clavier là. Bah là c'était ma faute là, le clavier, c'est moi le clavier. C'est pour ça que tu bouges pas du tout. Donc. C'est moi le clavier. Les verts enchérissent avec 3. Vous êtes capable de 4 ou vous leur laissez la main? Moi j'en ai aucune. Hugo à 4. Laisse-le les. 5. Bah là. Je suis sûr qu'ils ont même pas des 5. Non, j'ai pas. Vous laissez ? Attends. On peut réfléchir ? Non. Une fois. Deux fois. Ah, j'en ai un. J'en ai 7. Ok, 6. Les verts ? T'es sûr que t'as les 6 ? Vous montez à 7 ou vous leur laissez la main ? Tu peux m'aider aussi, là, j'ai tes oreilles, parce que moi j'en ai trop ouvert, hein, parce que là, après. Tu tentes à 7 ou tu leur laisses la main? Au pire, je vais dire ouais. Ok, ils tentent à 7, les violets? Non. Moi, j'en ai aucune, donc. Moi, non, j'en ai. Les 7. Vous leur laissez la main? Ouais, on va leur laisser la main. Une fois, c'est plus. Deux c'est fois, moi. Trois fois. Trois fois. Bon, on reprend. Alors, attention, 60 secondes pour me citer 7 coups de. Etc. Top, c'est à vous. Alors coup de queue, coup de gueule, coup de main, coup de poing, alors j'ai dit coup de poing, coup de cœur, coup de poing, coup de cœur, ça fait 2. Coup de pouce, coup de pouce, coup de pouce, coup de tête, coup de poing, non je vais dire quoi. ouais, je l'ai entendu celui-là. Moi, s'il te plaît. Coup de foot, foot 5. Ouais, voilà. Il faut le dire à l'oral. Là, Oui, bah désolé, quand je parle, on m'écoute pas. Mais tu parles pas. On t'entend, coup de pied, on t'entend pas du tout. Coup de pied. Hein. Coup de pied. Coup de pied, mec. Ça fait 6, encore un, et c'est bon. Un coup de soleil. Coup de soleil, c'est bon. C'est bon, c'est bon. Coup de soleil. Oh oui. En fait, il y en avait énormément, hein, mais bon. Donc, ouais, bon, après. 7, donc 7 le points. Stress. Donc 700 points. On garde l'avantage. Il y a un rééquilibrage. Merde. On aurait pu faire 8. Deuxième catégorie, on aura 5 en tout. Ah. Deuxième catégorie, on vous demande des instruments à vent. L'enchère commence à 1. Voilà, donc les verts prennent. Les violets. Et bah 2. 2, bah buzz. Ah, faut buzzer en plus. Voilà. Les verts. Ça monte à 3. Les violets. 4. Ça monte. Mais vas-y, buzz. Ouais, c'est tous les instruments à vent, c'est ça? Est-ce qu'on,
Est-ce qu'on peut passer au-dessus de... Non, c'est un par un, c'est vous démerdez. Vas-y. On monte à 4, les verts. C'est tous les instruments avant, c'est ça? Enfin, tous les... Ça monte à 5, les verts. Ça monte à 6, les verts. Ça monte à 7, les violets. Ça monte à 8, les verts. Ça monte à 9, les violets. Ça monte à 10, les violets. Les verts. Ça monte à 11. Appuie. Ça monte à 12. Ah mais attends, il y en a combien? Parce que si ça se trouve, il y en a qui il va aller trop loin, quoi. Ça monte à 13. Eh mec, t'as compté, il y en a combien en 10? Parce que s'il y en a plus de... Ouais, ça serait pas possible. Ça monte à 14. Ça bloque à 20, en fait. Ça bloque à 20? Oui. Bah, c'est dans le principe du jeu, mais après, il y en a peut-être plus. Donc là... On est à 14, là. 14. Là, j'ai des oreilles. 5. On est à 5, on est pas à 14. Non, vous êtes à 14. J'en ai plus. Ok, tu leur laisses la main. Pour 1400 points. On a plus lâché tes oreilles ou quoi? Je vous rappelle que ça doit se dire en 60 secondes. Hein, après, c'est 30 secondes pour dire. Ouais, tout t'inquiète. Mais tu me laisses dire. Non, mais en fait, j'en ai pas. Il y a 30 secondes à dire pour 14 trucs à côté. 60. Bon, attention les gars, 60 secondes, vous avez 14 instruments avant à me citer. C'est parti. Flûte à bec, basson, clarinette. Ouais. Il y a le hautbois. Ouais. Contrebasson. Ouais. Et moi j'ai le bariton. Ouais. La flûte traversière. Oui, ça fait 7. Après il y a quoi? Il y a le saxo. Le corps, oui. Le saxo. Le tuba. Le tuba, oui, ça fait 10. Le trombone. Trombone, oui, ça fait 11. La clarinette. Clarinette, oui, ça fait 12. Et il avait pas déjà dit clarinette? Je crois pas. Non. Le contrebasson. Il l'a déjà dit. Encore 2. Encore 2, le basson. Il reste combien de temps? Il l'a déjà dit. Il a déjà dit le basson. 4, 3, 2, 1. Au bois, au bio. Même ça fait 13. Je l'avais encore 2 mois. C'est terminé. Il y avait le corps anglais, je crois. Il y avait le au bois d'amour. Vous avez pas eu le temps. Les points vont donc à l'équipe adverse. 1400. On vient de se faire violer. Là, il y a une grosse avance. On peut bien le dire. Allez, il reste 3 catégories. Lève tes oreilles, mais qu'est-ce qu'il fait là? La suivante, et je vous demanderai vraiment d'aller encore plus vite cette fois-ci, pour les enchères en tout cas. Je vous demande des jeux de cartes. Ok. Des jeux de cartes. Les verts le nom de jeux de cartes. Enchères à 1. C'était des noms de jeux de cartes. 2. Okay. Le violet 2 donc. Les verts 3. Les violets 4. J'espère que t'en as plein, toi, parce que moi j'en ai. Les verts 5. Les violets, on spamme pas. On spamme pas si on n'entend plus rien, ça fait 6. Je vais taper. Les verts. Faire des âmes souris. 7. Ah, en plus, il faut. Bah oui. 8. Bah moi je m'arrête là, hein. Je sais pas, j'en connais pas trop les autres après. Ok. Peut-être que lâche à mieux. Bah je passe. Bah moi je dis je connais pas trop les autres. Après s'il lâche tes oreilles, connaît les autres, hein, il peut cliquer après. Mais j'en ai plein là. C'est tes oreilles. Il est là? Non je sais pas. Okay. Bon bah on laisse. Bon, ok, vous laissez donc à 8. Donc les violets, ouais. Il faut me citer 8 jeux de cartes en 60 secondes. Tu dis que c'est bon. C'est parti. Google nos amis. C'est parti. Ok. Alors, la belote, attends, le la poker, oui. Le tarot, oui. Le bridge. Oui. Le barbu, je connais pas, mais. Le rani, c'est un bon jeu, ça aussi. Oui. Ouais. On a combien là? Vous êtes un certain nombre. Ok. 4. On peut prendre. C'est obligatoirement un jeu de cartes de base ou. Un jeu de cartes. Bah, vous démerdez. Bah, oui. Vous démerdez. Tu perds ton temps là. Cette famille. Le 7 famille, le Uno. Ouais. Ouais. Ah ouais, pas ouais, non. Uno, je le. Ouais, non, je les compte pas les deux là. Non, il faut. Pas trop. Les jeux de cartes. Les jeux de cartes, ça compte comme le jeu de cartes ou quoi? Parce que. Les cartes à jouer, quoi, vraiment.
Ça soit avec les chiffres et tout ça, pas avec les noms de famille. Oui, voilà, quoi. Des cartes de chiffres. Bah, le nom de les 7 familles, ça compte pas, quoi. Non, 7 familles, voilà, c'est trop facile. Ça compte pas. Donc là, ils sont arrivés, il reste combien de temps? Parce qu'ils perdent du temps, là. 3, 2, je... 1, ce sera insuffisant. En plus, franchement, c'était simple, il y avait le solitaire. De toute façon, même si j'avais compté les deux là, ça nous en aurait fait pas assez. Donc, Ils sont mauvais. Ça fait donc 800 points pour l'équipe adverse. 5000. Bon, vous êtes en train de prendre une branlée, il va falloir enchérir très très haut pour les deux dernières. Sans blague. Si vous voulez espérer les rattraper. Alors, catégorie suivante. Calme-toi, toi là-bas, là. Catégorie suivante, je vous demande des mots qui commencent par bou. Ok, violet 1, vert 2. Violet 3. Tu peux buzzer aussi les oreilles parce que moi je peux pas de problème. Qui commence par bou. Oui. Bou. Bah et bou, voilà quoi. Bah et bou. On spamme pas. On ne spamme pas. On ne spamme pas. Voilà, vert 4. Bou. Violet. Bou, vas-y. 5. Vert 6. Violet. 7. Vert. 8, violet. 9. 9, vert. Laisse, putain. Violet. 11, vert. Laisse. 12. Non, mais t'es sérieux, lâche tes oreilles, je te dis quoi. Violet. 13. Vert. Oh. 14. Laisse. 15, vert. Mais je te dis de laisser. 16. Violet 17. Les gars, je sors du plateau. Du plateau, c'est fini. Violet 17. Vert 18. Violet. Je te préviens, tu vas me les citer. Mon. Je rappelle que ça bloque à 20. Hein, donc. Voilà. Comme ça, il va pas buzzer, il me saoule. Vous leur laissez 19 ou vous enchaînez ces 20? Ouais, 19. Voilà, on les laisse. Vas-y. Mec, je t'ai dit d'arrêter. C'est votre décision à tous les deux, d'accord. J'en ai pas 19, moi, frère. Lui, il répond pas. Là, salut. Bon bah les violets. Tu pourrais remettre un bouton parce que j'ai cassé le bouton. Les violets, vous devez me citer 19 mots qui commencent par bou en 60 secondes. C'est parti. Boulanger, hey. Bouton. Boule. Boutoir. Boutiste. Bouddhiste. Boudin. Bouddha. Booba. Boulangerie. Ah non, Booba c'est avec deux os, les mecs. Hein. Booba c'est deux os. Du calme, s'il vous plaît. Du calme. Je les entends pas. On est à 10 points. Bouturage. Boucher. Boucher, oui. Boucherie. Bouche tout court. Boucherie, ouais. Boucherie, l'a déjà dit. Ballon. Non. Ah non, ballon. Boutonner. Boutonne. Voilà. Oh, c'est facile. Boulet. Ouais. Boulette. Boutique. Vous êtes à 15. Boutique. Boutiquière. Mais c'est quoi vos mots inventés, les gars, là? Boutonneuse. Bon, c'est terminé. On est qu'à 15. On est qu'à 15. J'ai jamais dit de m'enchirer, quoi. T'as vu, mec? Je t'ai dit de stopper le buzzer et toi, t'as continué. Mais bon. Alors, je crois avoir compris. Docteur Wouf. Je crois avoir compris la stratégie des verts. Lèche, ta stratégie, c'était juste d'enchérir le plus possible pour qu'ils en aient le plus possible à dire qu'ils vont rater. Ah non, j'en avais vraiment 20. Ah, t'en avais vraiment 20. Ouais, en fait, pour expliquer, moi la stratégie c'était de laisser les autres buzzer. On a fini là, mec, c'est bon, on peut partir chez nous. Vous êtes désormais irrattrapable. Là, la stratégie a fonctionné. Hein. Mais pour l'argent, pour les gains en plus, pour l'honneur, et la dernière catégorie. Merci. Hein. Je vous demande des pays ayant l'anglais pour langue officielle. Oula. Les violets 1. Ok. Mec, je te préviens, 2. T'en sers pas. T'en sers pas beaucoup. Parce que moi j'en connais aucun, à part. Attends, je peux répéter. Les violets 3. Les pays qu'on. Alors. Des pays qui ont l'anglais comme langue officielle. Ah, ok. Vous avez déjà entendu. Il est déjà à 3. Des verts. 4. T'en as 4. Appui. T'en as 5. Oui, j'en ai 5. Ok, les violets 5. Mais arrêtez de vous utiliser Google.
Les verts 6. Bon, bouge-toi un peu là. Violet 7. J'ai amené dire les 7, je te préviens, j'en connais aucun. Ouais, moi je les connais, j'en connais. À part l'Angleterre et les États-Unis, mon bode. Les verts 8. Non, mais tu t'es là par contre. Voilà, ça par contre, si tu les cites pas, c'est vraiment que t'es con. On est à 8. On est à 8. Ok. Violet 9. De toute façon, tu sais, on est irréparable. Au pire. Autant d'arrière. Les des oreilles, t'en aurais dans ta tête ou quoi? On en a combien là? On est à 9. Je sais pas, attends. 9, une fois, 10. Ouais, et oui, je pense que... Les violets, on n'appuie pas. 11. Putain, mais le gars, je lui ai dit de pas appuyer, il appuie, mais j'en peux plus. Je donne mon coéquipier. 11, une fois. Ah, 12. Je... 13. Là, moi, je m'arrête là, parce que moi, j'en connais que, voilà, quoi. Je t'ai arrêté d'appuyer. 13, une fois. Je te préviens, tu les donnes. 13, deux fois. 30. 13, trois fois. Adjugé, vendu, 13. Vous devez me citer 13 pays qui ont l'anglais pour langue officielle en 60 secondes. Et j'espère qu'Andy a toutes les réponses. Hein. Si vous voulez, parlez distinctement, s'il vous plaît. Top, c'est parti. Alors. États-Unis, Angleterre. À toi. Oui, États-Unis, Angleterre, oui. Australie, Canada, Afrique du Sud, de mémoire, Nouvelle-Zélande, Irlande. Ah bah oui. Irlande. Bah si. Oui. Irlande du Nord. Irlande du Nord. Pays de Galles. Non. Il parle gallois, mon pote. Mais qu'est-ce qu'il parle des pays? Vous êtes à 6 là, vite. Hein, on est qu'à 6? Oui, parce que tu as dit des mots. Ouais, tu dis du pays. Tu t'es dit d'arrêter. Hein. Tu parles pas anglais. Canada. À bientôt. Canada, tu l'as déjà dit. C'est moi sorti, c'est là. 10. Bon, bah, je prends ma place. Hein. Ah. 5. Ah. 4. Non, 3, c'est bon, allez, au revoir. 2, 1. Ouais, fin du game, c'est terminé. Je peux en dire quelques-uns parce que j'en connais aussi. Ouais, mais ils sont nuls. Vas-y. S'il te plaît. Il a dit le Liberia ou le Malawi, le Soudan, le Cameroun. Quelque chose comme ça. Il y en avait énormément. Le Cameroun, ouais. Oui, Cameroun, il y en a pas. Malawi, oui. Cameroun, oui. Il y avait quoi d'autre? Non, tu vires, Nigeria, tu vires, je vais mettre à côté de toi, je te connais pas. Il y avait Nigeria, etc. Oui, il y en avait énormément. Hein, les gars. Zimbabwe aussi. Il y en avait, je crois. Je te connais pas. Il y en avait quasiment une centaine, hein, les gars. Ouais. Une centaine. Alors, le gars qui connaît tout là, oh putain, je peux te dire qu'il aurait gagné des points, lui. Il allait voir Google Images. Enfin, Google. Bon. Non, moi je. Le jeu. Est terminé. Non, j'ai un blague. Non. Et la victoire, elle est sous une écrasante majorité pour les verts. Ouais, pour une première victoire, putain, j'attendais cette victoire de. Ah, ouais, merci. Le mec est trop content. Là, maintenant, faut qu'il trouve le. Voilà, maintenant, nous allons aller dans la boîte noire. La question hyper importante. Qui va en haut? Qui va en haut? Qui va en bas? Laisse les oreilles. Tu veux. Je préfère aller en bas. Alors, je rappelle que je rappelle que Lech ne voit rien dans le noir. Hein. C'était pour ça que je me demandais si dans lequel on voit le plus clair. Donc du coup, bah, quand je suis en haut, donc je dois l'indiquer. Celui qui est en haut, il doit l'aider. Oui. C'est pour ça, moi, je vous conseillerais de laisser Doctor Who dans le labyrinthe et Lech en haut. Ouais. T'as pas ta lumosité à fond. Ah bon, pourquoi? Parce que tu veux que je perde? Non, mais dans le noir, il ne voit strictement rien. Mais genre rien. Ah, c'est celui d'en haut qui voit noir. Oui. Non, c'est qu'est-ce non. Que c'est... En haut. L'inverse. En haut, il est bien parce qu'il te guide. Ah d'accord. Ok, t'as regardé la vraie émission toi. Ah. En bas, il est dans le noir. Donc toi, Lech. Ok, d'accord, il est parti pour aller en haut. Super. Moi, je vais pas le bas. Reste devant ta porte. Mais oui, il voit rien dans le noir. Donc Lech, vas-y, passe par derrière. T'as raison. Docteur Who. Est-ce que tu es prêt à rentrer dans la boîte noire? Ouais. Bon. Il a l'habitude d'être boîte. T'as pas l'air hyper motivé, mais ça devrait aller.
Ouais, j'ai peur de faire perdre l'équipe. Ah, il m'a mis là, qu'est-ce que t'as foutu? Je rappelle le principe, t'as 3 minutes. Tu dois d'abord arriver au bout d'un labyrinthe. Puis trouver le bon bouton parmi les 25 qui te donne le trophée et sortir. Ok, d'accord. Il y a dans tout le parcours un buzzer qui t'enlèvera 15 secondes, enfin qui te donnera 15 secondes. C'est un petit cadeau. Ok, d'accord. Ouais. Joyeux Noël. Merci. C'est Noël. Il sera là en haut pour te guider. Ouais. Il lancera sa potion dès que le chrono sera lancé. Tu es bien devant la porte. Ouais. T'as 3 minutes. 400. C'est parti. Alors vas-y, va devant. Là tu vas. Attends. Je te tire. Le plus proche. Ok. Tac. Ok, va à ta gauche. Je vous mets dans sa vision. C'est droite, là, à gauche, ta gauche. Voilà, tu passes par le courant d'eau. Et tu vas au fond. Et quand tu seras dans la salle qui sera au fond, tu iras à droite. C'est bon, je crois. J'y vais à droite. Non, là, vers l'eau. Non, derrière toi. Voilà, là, t'es l'étoile d'araignée, tu les traverses. Jusqu'au bout, allez, vas-y. Tu trouves, un passage. Mais non, dans, derrière. Voilà, tu vas par là-bas. Je prends pas le buzzer, vas-y. Quoique il le voit, demi-tour. Le buzzer, vas-y, allez, demi-tour. Allez, vas-y, tout droit. Non, mais merde, tourne pas vers là-bas. Ouais. Maintenant, tu vas à droite. Tu vas te faire engueuler. Tu vas à gauche. Lui, ça les a ajoutés, t'inquiète pas. Vous êtes très très large niveau. Et une fois que t'es là-dedans, tu vas direct à gauche. Gauche encore. Vas-y, tu vas tout droit. Tu sautes. Vas-y, toujours à droite. Il vous reste la moitié du temps, c'est large. Vas-y, encore un petit peu à droite. Mais qu'est-ce qu'il fait à droite? Et tu sautes. Derrière toi, t'as trop tourné. Va un petit peu à ta gauche. Voilà, complètement à ta gauche. Non, mais comment il fait pour être aussi con? Il a réussi sur toutes les stations. Il retourne là où t'as sauté là, à ta gauche. Mais non, mais il tourne dans tous les sens là aussi. Arrête de bouger. Là, tu vas, tu tournes pas, mais tu vas vers la gauche. Ah, tu sautes. Là, tu vas à droite, direct. Tout à droite. Vas-y, saute. Putain, il y a le mur qui bloque. Encore à droite. Je te dis à droite, pourquoi tu t'arrêtes, Mili, trop con. Bah voilà, là, tu prends le coffre, tu te dépêches, là, il reste 35 secondes pour appuyer sur les boutons, tu te dépêches. Là, tu vas au fond. Mais non, pas besoin de le casser. Qu'est-ce qu'il fait? Passe par le trou. Dépêche-toi, gauche. Tu appuies sur tous les boutons, là, dépêche-toi, putain. Pas dans les boutons. Oh là là, vite. Ah ouais, mais du coup, la net vision, elle s'est arrêtée vu qu'il n'y a plus le temps supplémentaire. 6, 5, dépêche-toi. 3, d'où l'arc, mais non, bah, c'est bon, c'est terminé. C'est pas possible. Si t'arrêtais de bouger dans tous les sens, ce serait plus sympa. Alors, je voyais rien aussi là. Le trophée. Mais pourquoi t'as pas tiré à l'arc au fait? Ah, il me dit pas toucher le coffre aussi là. Mais prends ce qu'il y a dedans. Prendre, c'est pas le casser. Je vais tout prendre en direct quoi. Et le trophée, il était ici. Bon, vas-y, récupère-le. On va finir le trophée. Il était où le trophée? Il était ici. Ah. Visé avec l'arc. Mets-le dans l'entonnoir qui est là. T'avais bien commencé pourtant. Bon, ben nous on fait le truc avant. Et tu peux sortir. Allez, nous on se casse de là. Ouais, on se casse. À gauche. Voilà, tout droit. L'équipe perdante, c'est les meilleurs. Voilà, c'était la phrase. Bon, voilà. Ils auront pas gagné la boîte noire, mais ils finissent quand même l'émission. Avec un score hallucinant de 8 200 €. Je vous félicite. Bon, et bien écoutez, félicitations l'équipe verte. Je vous applaudis.
Vous avez fait une belle performance. Surtout à la fin. C'est surtout à la fin que vous avez gagné tout. Merci quand même à l'équipe violette d'avoir participé. On espère, c'est sa faute. On espère que vous serez meilleur sur de prochains jeux. Et attends, Andy, ce sera mieux. Andy, t'as remarqué, alors j'ai fait 5 émissions, je sais plus trop, et depuis le début je me foire à tout. Oui. C'est quoi que j'ai enfin réussi à bizarrement, moi le face to face c'est très bien passé. Hein. Bah, moi j'ai pas fait de face to face, donc je suis calme. Bon, allez, on se retrouve prochainement pour un nouvel épisode d'In the Boîte, et dès demain pour deux vidéos encore plus exceptionnelles. Salut tout le monde! Putain.